Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire cette jolie veste dont je vous mets la photo à l'écran. Alors, pour faire cette veste, j'ai choisi de mélanger deux laines. La première est une traditionnelle dans un magasin discounter. C'est donc la Bordeaux qui se crochette en 4 voire 5. Et la seconde, c'est de la laine qui vient de Turquie, qui se crochette pareil en 4-5. Donc, j'ai décidé de les mélanger. Pourquoi? Parce que celle-ci, il m'en restait pas beaucoup. Et je ne pouvais pas faire un gros projet. Et j'avais envie de faire un gros projet. Donc, comme elles se mariaient bien ensemble, j'ai décidé de les travailler ensemble. Donc, pour travailler ces deux laines, j'ai choisi de travailler avec un crochet numéro 8. Donc, ce projet se travaille comme un châle, mais un châle avec un col. Toute l'astuce est là. Donc, vous allez devoir prendre votre laine que vous avez choisie, le crochet que vous avez choisi, ne pas descendre en dessous de 4, qu'on soit bien d'accord. Et là, vous allez devoir faire une chaînette. Cette chaînette, elle va devoir faire le tour de votre cou. D'accord? Alors, une fois que je parle de chaînette, je ne parle pas de centimètres. Vous pouvez bien évidemment reporter, vous prenez un centimètre, vous mesurez et après vous faites la chaînette. Enfin, moi je préfère faire avec la chaînette. Ce qui va être important, c'est que le chiffre que vous allez trouver au niveau de la chaînette soit un multiple de 6. C'est primordial. Pour ma part, j'avais trouvé, je crois, 41 ou 40 ou 41. Voilà. Donc, comme c'était 41 et que le plus près en multiple de 6, c'était donc 42, et qu'il faut travailler en multiple de 6 plus 1, je vais vous mettre de toute façon le schéma, comment travailler ce chiffre que vous allez trouver à l'écran. Donc, il faut compter multiple de 6 plus 1. Moi, c'était du 40. Donc, le multiple de 6, c'est 42. Plus 1, ça fait 43. C'est tout. Et ensuite, vous aurez à l'écran le détail, comment, par rapport aux chiffres, quel diagramme il va falloir utiliser. Quel diagramme de départ uniquement. OK? Donc, vu que c'était 43, donc je vais faire mes 43 mailles chaînettes. Pour commencer mon ouvrage. Allez, on se retrouve à la fin des 43. Une fois que vous avez le nombre de mailles chaînettes que vous avez besoin, vous êtes sur un chiffre impair, immanquablement, puisque c'est divisible par 2 plus 1, divisible par 6 plus 1, donc vous aurez obligatoirement un chiffre impair. Pourquoi? Parce qu'il va falloir trouver la maille centrale. Donc c'est à vous de déterminer quelle est la maille centrale. Donc moi, si je fais 40 et 43, où je retire le 1, il me reste 42. 42 que je divise par 2, ça fait 21. Donc la 22e maille sera ma maille centrale. D'accord? Donc, d'après le diagramme que je vais vous mettre à l'écran, vous allez travailler de la façon suivante. Je retiens dans ma tête que la 22e maille sera ma maille centrale. C'est très très important de se noter ça dans la tête. Là, vous allez devoir faire donc une, deux, trois mailles en l'air. Vous allez venir, pardon, excusez-moi, deux mailles en l'air. Vous allez venir piquer dans la première. Celle-ci sera la première. D'accord? Et là, vous faites. Une, deux et trois brides. Vous sautez deux mailles. Donc une, deux. Dans la troisième, vous refaites un lot de trois brides. Une, deux. C'est du granit, hein? On va travailler en granit. Et 3. Et ça, vous allez le faire jusqu'à votre maille centrale.
D'accord? Quand vous serez sur votre maille centrale, on se retrouve. Donc voilà. Ici, moi, j'étais à la numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et ici, je vais donc faire ma 22e qui est ma centrale. Alors, la centrale, c'est celle qui va avoir donc une, deux, trois, pardon, trois brides, trois mailles en l'air, une, deux, trois. Je repique dans la même et je fais mes trois brides. Donc, correctement, ça serait mieux. Une, deux et trois. Et maintenant, je repars exactement pareil jusqu'à la fin de mon rang. On va se retrouver sur la fin du rang parce qu'il y a un tout petit truc à faire qu'il faut absolument faire à chaque rang. D'accord? Allez, à de suite. Voilà, quand vous arrivez au bout de votre rang, il va vous rester bien évidemment la maille à travailler. Donc, vous faites vos trois brides en attrapant la totalité de la laine. Alors, trois brides, une, deux et trois. Et là, notez bien, parce que ça, vous le faites immanquablement à tous les, à toutes les fins de rang, hein, n'oubliez pas. Maintenant, une maille en l'air et vous refaites une bride. D'accord? Donc, dans la dernière maille, trois brides, une maille en l'air et une bride. Vous allez vérifier que vous ayez bien le même nombre de petits paquets de chaque côté. Une fois que c'est bien vérifié, eh bien, c'est parti. Ça, c'est la base. C'est de là que tout va partir. D'accord? Tous les rangs vont se faire comme le rang qui va suivre. Vous allez faire deux mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Dans le premier espace, vous faites vos trois brides. Donc, une, deux et trois. L'espace suivant, trois brides. Une, deux et trois. Trois brides dans l'espace suivant. Une, deux et trois. On va venir se retrouver ici dans le coin, dans le milieu. À de suite. Donc, quand vous arrivez dans le milieu, eh bien, vous allez faire comme à 90% des châles. Une, deux, trois brides. Une, deux, trois mailles en l'air et trois brides dans la même maille. Une, deux et trois. Et là, on repart. Jusque-là, on vient faire du granit, hein, trois brides dans chaque espace. Allez, à de suite. Donc, une fois que vous avez fait vos trois brides dans le dernier espace, vous allez venir ici, là vous avez vos trois brides, ici juste avant, et vous faites trois brides, une, deux, trois, la maille en l'air et votre fameuse bride toute seule. Voilà.
Et maintenant, vous tournez le travail et vous allez recommencer de rang en rang jusqu'à ce que, ça c'est le dos. Donc vous enfilez votre châle jusqu'à ce que les côtés vous arrivent approximativement vers les coudes. J'ai pas à vous dire parce que peut-être que vous vous sentirez à l'aise vers les coudes, peut-être que vous devrez faire plus de rangs parce que vous avez une taille, vous êtes un petit peu ronde, donc il vous faudra que ce soit un petit peu plus long. Bon, pour que ça couvre bien le devant ou vous voulez que ça couvre les fesses, c'est à vous de voir, mais approximativement jusqu'à ce que ça arrive aux coudes, que les épaules. Que le châle sur les épaules arrive au niveau des coudes. D'accord? Donc voilà. Une fois que j'ai monté mon châle, je vais mettre la pointe de devant sur la pointe de derrière. D'accord? Là, je vais sur le côté. Je vais venir marquer. Je sais, j'ai perdu mes marqueurs. Il faut que je les retrouve. J'ai fait du rangement et dans la bataille, ben, ils ont disparu. Que voulez-vous? Donc, la pointe de devant avec la pointe de derrière, je le mets bien ensemble. Et là, tout le long, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je ne tire pas, hein, surtout pas. Hein. Et là, je viens marquer ici. Où se trouve mon côté. Voilà. Alors, maintenant, on est bien d'accord que ça, c'est là ce qui va sur votre coude. Et là, on va remonter vers le cou. Vous suivez? Ça, c'est le coude. Toc, 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 toc. On remonte sur le cou. Je vais vous dire approximativement, parce que vous allez me demander immanquablement hein, combien les choses mesurent. Donc, pour ma part, ça mesure. Je regarde bien que ce soit la même maille, le même lot de 3 brides, pardon. Voilà, c'est bon. On prend la règle. Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai bousculé. Ben écoutez, sans vouloir le faire exprès, ça mesure 50 cm. Voilà, 50 cm de l'épaule jusqu'au coude. Après, devant, ben écoutez, ça c'est chacun seul d'après sa laine. Hein. Alors là, ça mesure 50, 50, 50, 50, 70. Voilà, j'espère que j'aurai été bien dans les dimensions. De la gorge à peu près à la pointe de devant, 70. Donc ça doit être à peu près pareil, 70, 75 pour derrière. Donc voilà. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que nous allons venir ici au coude. Nous allons faire la manche. Pour la manche, je ne vais prendre qu'un seul fil. J'ai choisi de prendre le fil Bordeaux. Je vais le travailler avec un crochet numéro 5. Vu que c'est de la laine 4-5, tout ira bien. Là, je dois déterminer de quelle grosseur je veux que la manche soit. C'est au niveau du coude, donc c'est pas pour moi, hein, bien évidemment. Mais je vais passer mon bras dedans et je vais regarder au moment où je suis à l'aise, je peux déterminer la grosseur que je veux que ça fasse. Donc je vais venir démarquer ici en haut pour venir marquer ici en bas. Et bien évidemment, pour que ce soit symétrique, je vais venir compter le nombre de petits paquets de 3 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je viens le reporter de l'autre côté. Donc ici, c'est l'autre manche. Je viens mettre ça pour me souvenir où est-ce que la manche doit être. Voilà.
Je ne sais même pas pourquoi je fais un double nœud. C'est parce que je suis une bécasse. Voilà. Ne me dis pas que j'ai fait un double nœud là aussi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, on s'en fout, c'est parti. On va travailler vers nous. Hein. Il ne faut pas qu'on travaille de l'intérieur, on va travailler de l'extérieur. Donc, on prend notre fil. Et là, nous allons faire notre première. Donc, j'étais en 8. Hein. On est bien d'accord. J'étais en crochet numéro 8. Je descends en crochet numéro 5. Donc, vous aussi. Mais ne descendez pas de trop quand même. Il faut que ce soit cohérent. Si vous travaillez en crochet 6, que vous descendez en 4, c'est sympa. Mais si vous êtes parti du 4, vous n'allez pas descendre en 2 ou en 3. Vous restez en 4. Voilà. Moi, c'est parce qu'il y a quand même une grosse différence entre ce qui est et ce que je veux faire. Donc, je vais venir monter ici mes brides. Alors, on va faire un rang de brides simples. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va augmenter. On va faire de temps en temps des augmentations. On va en faire une par paquet de 3. Vous voyez ça? On va dire que ça va être un paquet de 3. Donc, on va en faire une augmentation par paquet de 3 puisque le crochet est plus petit. Ne le faites pas si le crochet est le même. Si vous avez une grosse différence entre votre crochet de là et le crochet de la manche, vous le faites. Autrement, vous ne le faites pas. D'accord? Donc, moi, comme c'est une grosse différence, dans le milieu, je vais venir rajouter une bride. Donc, la première, je fais une bride normale. La deuxième maille, je vais faire deux brides. La troisième, une bride normale. Je passe dans celle-ci. Donc, là, une bride normale. Celle du milieu, j'en fais deux. Donc, une. Deux. La troisième, une normale. La première, une normale. Celle du milieu, j'en fais deux. Une et deux. La dernière, une normale. La première, une normale. La deuxième, j'en fais deux. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on se retrouve à notre marquage. À de suite. Maintenant que vous avez fait le tour de votre manche, donc vous en avez deux. Ici, vous faites votre bride toute seule et vous venez faire une maille coulée dans la première qui est toute seule aussi. Voilà. Et donc, on va commencer à travailler celle-ci. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire des fausses côtes 1-1. Donc, celle-ci, on va les prendre par l'avant et celle-ci, normalement. Donc là, je fais deux mailles en l'air. Ici, je viens faire une bride. Et les deux qui arrivent, c'est celles qui sont par petits paquets, là, dans les deux dans la même maille. On va les faire par l'avant. Une. Et deux par l'avant. Les deux suivantes, on les fait normal. Donc une et deux normales. Les deux qui sont dans la même maille par l'avant. Une et deux par l'avant. Les deux prochaines, normales. Des brides normales, hein, on s'entend bien. Hein? Et deux normales. Les deux prochaines, là, par l'avant. Une. Et deux par l'avant. Les deux prochaines, normales. Alors, quand je dis normal, c'est de la bride normale. Donc, une et
deux normales. Et quand je dis par l'avant, c'est dans celle où on en a fait deux dans une maille et on vient passer notre, on prépare notre bride, on vient passer notre crochet comme ceci et là on fait notre bride. Voilà, une et deux par l'avant, deux normales, une et deux, et on fait comme ça jusqu'à la fin de notre rang. D'accord? À de suite. Quand vous arrivez ici, sous le bras, il faut être cohérent. Là, il y en a deux par l'avant, deux par l'avant. Ici, vous devez donc faire une bride toute seule. Voilà, ici votre bride toute seule. Et là, vous venez faire votre maille coulée. Et on a bien deux par l'avant, deux toutes seules, deux par l'avant. D'accord? Alors, ça, vous allez le faire. Eh bien, jusqu'à ce que vous ayez envie de le faire. Hein, je ne peux pas savoir si vous avez décidé de vous arrêter avant le coude, après le coude, au milieu du coude. Si vous voulez qu'elle soit longue, qu'elle soit courte, la manche, c'est exactement à vous de voir. Par contre, si vous trouvez que c'est pas assez serré, vous pouvez encore descendre un tout petit peu le crochet. D'accord? Allez, on va finir la manche. Je vous retrouve à la fin de cette manche et après on fera la deuxième. À de suite. Donc là, au bout d'un moment, comme ça avance au niveau du poignet du bras, vous voyez, je vais descendre mon crochet à 3, à 4, pardon. J'étais à 5, je passe à 4 pour bien affiner au niveau de l'avant-bras. D'accord? Comme ça, vous savez, c'est une petite astuce, ça vous permet de ne pas faire de diminution, de bien continuer dans votre motif des côtes, mais d'affiner votre pour le poignet. Allez, on se retrouve à la fin de la manche. Par contre, j'oubliais, notez à quel moment vous le faites et notez le nombre de mailles. Pour que vous fassiez exactement pareil de l'autre côté. Merci, à de suite. Donc voilà, pour ma part, cette manche telle qu'elle est là suffit amplement. Il y a en fait 13 rangs divisés de la façon suivante. Il y a 7 rangs qui ont été faits donc avec du 5. Après, à l'arrivée au rang numéro 7, j'ai mis du 4, j'ai travaillé avec du 4 et les deux derniers, j'ai travaillé avec du 3 et demi. Voilà, comme ça vous pouvez vous repérer. Donc du 1 au 7 en 5, du 5 donc au 11e rang en 4 et les deux derniers en 3 et demi. Allez, on fait la deuxième manche et on se retrouve. Donc voilà, une fois que les manches sont faites, nous allons nous attaquer au col. Pour le col, eh bien, on remonte en haut, on revient en haut, on vient chercher ici notre début, notre première maille que nous avions faite, notre première maille chaînette, et là, on va piquer dans les trois, dans la maille où il y avait les trois premières brides. D'accord? On garde le crochet numéro 5. Ici, nous allons faire exactement pareil. Donc, 3 mailles en l'air et 3 brides. Par contre, ici, dans les espaces, nous allons faire 3 brides. Donc, une. 2 et 3. Maintenant, on va dans l'espace d'après et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On continue. On ne travaille pas à l'intérieur de ces mailles-là. On travaille que dans les espaces. On fait chaque fois 3 brides dans les espaces. 2 et 3. Et comme ça, on va aller jusqu'au centre.
dans le centre que nous avions créé. D'accord? Alors, est-ce qu'on en est loin? Non, on y est. Ça va. On va donc rester ensemble. J'évite de faire des vidéos trop longues qui soient indigestes. Voilà, donc chaque fois, trois brides dans les espaces. Alors par contre, le col, on ne va pas le travailler en granit, hein. Là, on est en train, en fait, de monter notre rang de brides. Voilà, alors, ici, dans l'espace, par contre, on va faire exactement la même chose. On va faire une, deux, trois mailles en l'air. Et là, on refait après nos trois brides. Parce que là, en fait, ici, nous allons travailler comme ceci, exactement pareil que pour le dos, une pointe. Donc, il fallait qu'on fasse nos trois mailles en l'air pour pouvoir partir ensuite sur nos trois brides en l'air. Allez, là maintenant, on va jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve donc en fin de rang. Vous travaillez uniquement trois brides dans tous les espaces du col que vous rencontrez. D'accord? Allez, à de suite. Quand vous arrivez au bout, ça, c'est la maille du bout, d'accord? De l'angle. La dernière que vous avez travaillée pour le châle, pour le col du châle. Vous venez faire ici vos trois brides. Une, deux et trois. Et pareil, on fait une maille en l'air et une bride. D'accord? Allez, maintenant on tourne et là nous allons faire. Dans l'espace que nous avons. Bon, d'abord on fait nos deux mailles en l'air, bien évidemment. Dans l'espace que nous avons créé, on fait nos trois brides. Une. Deux et trois. Et maintenant, on va travailler une bride dans une bride. Dans toutes les brides qui se présentent, on va faire une bride tout simplement. Voilà. On se retrouve au milieu du col, là où on va se retrouver avec le gros trou. D'accord? Allez, à de suite. Voilà, quand vous arrivez au gros trou que vous avez créé, ici, n'oubliez pas bien évidemment de travailler cette dernière bride. Là, vous allez faire une, deux, trois, une, deux, trois mailles en l'air. Et trois brides. Vous recréez exactement pareil que le châle. Et là, vous repartez normalement une bride dans une bride, et ce jusqu'à la fin du rang, ou par contre, on fera dans l'espace. Mais ça, on va le faire ensemble parce que je vais vous le dire et c'est pas tout le monde qui va pouvoir suivre. Moi-même, on me le dirait, je pourrais pas suivre alors comme ça. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, quand vous arrivez en fin de rang, ici, vous venez faire vos trois brides, donc une, deux, trois. Donc les trois brides dans la même maille, bien évidemment. Une maille en l'air et la dernière bride, toujours dans la même maille. Deux mailles en l'air, on tourne le travail. Et c'est reparti. Dans l'espace, on fait nos trois brides, donc une, deux,
et maintenant simplement une bride dans une bride jusqu'au centre du col où on va se retrouver. Allez, à de suite. Donc voilà, quand vous vous retrouvez ici, donc à l'arrière du col, vous allez jusqu'au bout de vos brides et vous refaites pareil. Vous faites une, deux, trois brides, une, deux, trois mailles en l'air, une, deux, trois brides. Et vous repartez exactement pareil, de bride en bride, jusqu'au début du rang, jusqu'à la fin du rang, pardon. Et on se retrouve à la fin du rang. Allez, à de suite. Et là, à présent, quand vous arrivez à la fin du rang, eh bien, vous recommencez toujours pareil, avec trois brides. Dans la même maille, dans la même bride, dans la dernière, et trois brides. Donc une, deux pour monter, on tourne. Et maintenant, mais écoutez, vous allez faire encore trois rangs. Non, pardon, deux rangs exactement pareil. Si vous trouvez que c'est insuffisant, vous pouvez faire le troisième, mais normalement avec deux de plus, ça devrait suffire amplement. Allez, on se retrouve à la fin du col. Par contre, j'ai oublié de vous dire sur le tour du pardon, sur le dernier rang au niveau de l'arrière du col, vous ne faites pas les trois mailles en l'air, vous faites trois brides. Pour que la finition soit parfaite, hein. Donc 2, ce qui vous fait dans l'espace, vous en aurez 9, 3 plus 3 que vous allez créer, ce qui va vous faire 9, et là, eh bien, vous repartez jusqu'à la fin du rang. À de suite. Bien voilà, nous arrivons à présent à la fin du col. Donc on va jusqu'au bout, bien évidemment. Et à la dernière, on fait nos trois brides. Une, deux, trois, une maille en l'air et trois brides. Pardon, et une bride. Voilà. Et eh bien là, on a fini notre col. Du moins, moi, je considère que je l'ai fini. Alors, cette veste a eu, on a eu quelques dilemmes. C'est alors cette veste, pour vous raconter un petit peu l'histoire, ma belle-fille l'a vue sur Internet et elle l'a voulu absolument. Donc, d'après ce que j'ai vu, je l'ai faite. Et moi, j'étais pour le fait de faire des franges parce que c'était une veste châle, donc c'était obligatoire de mettre des franges. Elle voulait pas de franges, elle voulait un rebord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire ce que vous voulez, tout simplement. Dans tous les cas, pour moi, ça sera avec franges, parce que c'est un châle, c'est une veste châle, donc j'arrive pas à concevoir qu'elle puisse pas avoir de franges, en fait. Je sais pas, chacune. Vous pouvez même faire. J'ai dû me faire une bêtise parce que là, je fais un peu embrouillé. Hop, non, non, c'est bon. Vous pouvez faire ici une bordure un petit peu plus épaisse. Enfin, écoutez, c'est à vous de voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Je vais faire les franges et puis je vous mettrai tout ça en photo. Écoutez, j'espère que ce pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, surtout, abonnez-vous. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.